يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala est « Que connais-tu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?» Que connais-tu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ?« Mada ta'arifu an nabi sallallahu alayhi wa sallam ?» Mon frère, ma sœur, nous allons aujourd'hui vous parlez du prophète alayhi salatu wa salam, et sachez que parler de lui est un sharaf, un honneur. C'est un honneur de parler de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et je tiens à vous prévenir à l'avance que quoi que je dise sur le prophète alayhi salatu wa salam, je n'arriverai jamais à vous le décrire comme il se doit, sachant qu'il était l'homme parfait alayhi salatu wa salam. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu connais du prophète alayhi salatu wa salam? Que connaissent les gens du prophète alayhi salatu wa salam? Oh vous les musulmans, que connaissez-vous du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi, je le jure par Allah, que si les gens avaient vraiment connu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils l'auraient aimé. S'ils l'avaient connu, s'ils avaient cru en lui, il l'aurait respecté. Je m'adresse à tous les musulmans en leur demandant que connaissez-vous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je donne à chacun d'entre vous une feuille et un stylo, et que je demande à chacun d'entre vous d'écrire tout ce qu'il connaît du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais besoin déjà de combien de feuilles? Une feuille plus, tu serais prêt à écrire combien de lignes? Plusieurs lignes, sur plusieurs pages, ou peut-être une ligne ou deux, parce que tu ne connais pas grand-chose du prophète, alayhi salatu wa salam. Aujourd'hui, on va vous parler, bi'idhnillahi tabaraka ta'ala, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le maître des fils d'Adam, le plus pur des purs, le plus pieux des pieux, l'éducateur des éducateurs, l'enseignant de tous les savants, le plus miséricordieux des miséricordieux, Khalilullah tabaraka ta'ala, l'ami intime d'Allah azza wa jal. Comment est-ce qu'il s'appelle? Et là, bien sûr, dans le cours, je vais vous poser des questions. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Mohamed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib. C'est très bien. Ça, c'est le minimum à connaître. Mohamed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Très, très bien. Son père, il est mort quand? Avant sa naissance. Barakallahu fik. Puis sa mère s'appelait, on va lever les mains, ça va être plus simple. Non, il faut lever la main. Sa mère s'appelait, levez la main, Amina, barakallahu fik. Amina bint Wahb. Elle est morte alors que le prophète alayhi salatu wa salam avait quel âge? 6 ans, barakallahu fik. Très bien. Suite à la mort de ses parents, il a grandi chez qui? Non, Halima Saadi, c'est celle qui l'a allaité. Attention, chez son grand-père, comment il s'appelait? Abdul Muttalib, barakallahu fik. Il est resté chez lui combien de temps? 8 ans. Jusqu'à l'âge de 8 ans. Donc il est resté avec lui 2 ans. 2 ans. Puis après la mère, puis après la mort de son grand-père, il est parti chez son oncle, comment il s'appelle? Abu Talib. Il l'a pris en charge. Abu Talib, il avait beaucoup d'enfants. À l'âge de 10 ans environ, le prophète alayhi salatu wa salam demanda la permission d'aller travailler. Écoutez bien, à l'âge de 10 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la permission pour aller travailler. Il a refusé d'être un poids, une charge pour son oncle. Et il s'est mis à travailler et à gagner de l'argent avec la sueur de son front. Allahu Akbar. Il n'aimait pas tendre sa main
à quelqu'un. Et d'ailleurs, il ne l'a jamais fait à part pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a grandi où ? À Mecca. À la Mecque, où l'injustice avait atteint son summum. À l'époque, ils enterraient les filles vivantes, ils adoraient les statues, ils consommaient de l'alcool, ils étaient injustes envers les esclaves, la prostitution était répandue à leur époque, et avec toute cette corruption, le prophète ﷺ n'a jamais bu d'alcool. Il n'a jamais commis zina, la fornication. Il n'a jamais gagné d'argent illicite. Il n'a jamais touché une femme qui ne lui était pas permise. Il n'a jamais regardé une femme qui ne lui était pas permise. Il était pur, sincère, véridique, honnête, digne de confiance. Il avait un excellent comportement au point où les Arabes avant l'islam, comment est-ce qu'ils l'appelaient ? As-Sadiq al-Amin. L'honnête, le digne de confiance. Subhanallah, ça c'est avant l'islam. Il s'est marié avec une femme qui était belle, d'un certain rang, quand il a eu 25 ans. Cette femme s'appelait Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha. Il s'est marié avec elle, il avait 25 ans, elle avait quel âge ? 45. 40 ans, barakallahu fikum. 40 ans. Combien d'âge de différence ? 15 ans de différence, et il n'y a pas de problème. Le prophète alayhi salatu wasalam se marie avec une femme plus grande que lui, il n'y a pas de problème. Il alayhi salatu wasalam avait 15 ans moins qu'elle, de moins qu'elle. Il alayhi salatu wasalam avait 15 ans de moins qu'elle. Mes frères et sœurs, certains parmi les malhonnêtes, pour ne pas dire plus, accusent le prophète alayhi salatu wasalam d'être un homme passionné de femmes, d'être un shahwani, de penser qu'aux femmes. Si tel était le cas, pensez-vous que le prophète alayhi salatu wasalam se serait marié avec une femme plus grande que lui de 15 ans ? Non. Si notre prophète alayhi salatu wasalam pensait qu'aux femmes, il aurait épousé une jeune fille ou une femme plus grande que lui de 15 ans ? Une jeune fille. Il resta avec Khadija pendant 25 ans, jusqu'à ce que lui il a atteint l'âge de 50 ans, et il ne s'est pas marié avec une autre femme pendant toute cette période. Khadija radiallahu anha décéda, elle avait 65 ans, radiallahu anha. Il se maria avec aucune autre femme pendant son mariage avec Khadija. Puis il a eu des enfants de Khadija. Ah, voyons voir un petit peu, parce que ces derniers temps, on entend beaucoup de gens qui disent « Nous, on aime le prophète, alayhi sallam. Le prophète, alayhi sallam. On a critiqué le prophète, alayhi sallam. On a parlé sur lui. » Taïb, tu l'aimes beaucoup ? Très bien. Qu'est-ce que tu connais de lui ? Donne-moi le nom de ses enfants. Doucement. Aïwa ? Zainab ? Oumou Kalthoum ? Fatima ? Ruqayya, barakallahu fik. Donc, il a eu 4 filles et il a eu des garçons. Il a eu Al-Qasim et Abdullah. Et il a eu Zainab. Il a eu Ruqayya, Fatima et Umm Kalthoum. D'accord ? Tous ses enfants moururent avant lui, sauf Fatima qui mourut 6 mois après lui, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Il a donc perdu tous ses enfants pendant qu'il était alayhi sallallahu alayhi wa sallam vivant, sauf Fatima qui elle mourut, on a dit quoi ? 6 mois après sa mort. Et il a patienté alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam est l'homme chez qui Allah subhanahu wa ta'ala a réuni la beauté du caractère et la beauté physique. Il était beau et il avait un superbe comportement. Magnifique son comportement, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de sa beauté physique, Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam était ramassé sur lui-même, mais il n'était ni grand de taille, ni petit. Il avait plutôt un beau corps et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et Jabir ibn Samura radiallahu anhu a dit, je l'ai vu durant une nuit de pleine lune. T'as vu une nuit de pleine lune, comment la lune elle est belle ? Tantôt je le regardais lui, il était vêtu d'une tunique rouge, tantôt je fixais la lune. Mais il surpassait en beauté la lune. Allahu Akbar. Il était plus beau que la lune, alayhi salatu wasalam. Et le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Il était le plus beau des gens, le plus propre des gens. Lorsqu'il voulait rentrer chez lui, il sortait son siwak, hein,
Vous savez ce que c'est le siwak? Afin de se nettoyer la bouche. Il était propre, alayhi salatu wassalam. Pareil, au moment de son réveil, lorsqu'il se réveillait, avant de dire « Alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana, wa ilayhi, an-nushur », d'abord, le siwak. Le siwak, il prenait son siwak et se nettoyait la bouche afin de prononcer un vikr avec la bouche propre. Anas ibn Malik radiallahu anhu, il rapporte « Je n'ai jamais touché un brocard ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du prophète alayhi salatu wassalam. » Sa main, elle était lisse. Alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait le parfum. Et il sentait tout le temps bon. Tout le temps. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dormi une fois chez Anas. Anas ibn Malik radiallahu anhu. Sa mère, elle s'appelait Sulaym. Très bien. La mère de Anas ibn Malik, elle s'appelait Sulaym. Et il lui arrivait de faire des qailoulas là-bas. Sulaym, elle a apporté une fois un flacon pour récupérer la sueur, l'araq, du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam la questionna sur ce geste. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Elle lui a dit, nous allons le mettre dans notre parfum. Nous allons le mettre dans notre parfum. Elle est le plus agréable de parfum. Ta sueur, c'est le meilleur des parfums qu'on a connus. Ça, c'était la sueur du prophète alayhi salatu wassalam. Sa sueur était un parfum, sallallahu alayhi wasallam. Allah a réuni la beauté du caractère et la beauté physique en lui. Il était beau, il avait le meilleur comportement, le sourire ne le quittait pas. Et c'est agréable de voir quelqu'un tout le temps souriant, c'est vrai ou pas? Tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui serres la main, il est souriant, tu lui parles, il est souriant, il te fait une doua, il est souriant. Le sourire, on dirait les dents, c'est une aura. Tu rentres dans la mosquée, tu salam ala l'akh, il y a une chida, une ghilva, il n'y a pas ce contact avec la mahabba. Il, alayhi salatu wassalam, disait tout le temps des bonnes paroles. Il disait, bashiru, voilà, hein? Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. C'est ça ou pas? Annoncez des bonnes nouvelles et ne faites pas fuir. Rendez les choses faciles, yassiru, voilà, tu'assiru, et ne rendez pas les choses dures. Il se comportait tellement bien qu'Allah Azza wa Jal fit l'éloge de son comportement en disant dans Surat Al-Qalam, Surat 68, verset 4, « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Allahu Akbar. Tu es d'une moralité imminente. Tu es d'une moralité imminente. Allah Azza wa Jal a fait son éloge. J'ai bien dit, Allah a fait son éloge. Et avec cela, certains perdus se permettent de parler de lui en mal. Wallahi qu'ils ne peuvent pas l'atteindre. Le prophète alayhi salatu wassalam est semblable à un soleil. Qui parmi les humains peut éteindre le soleil? Personne. Allah a élevé sa renommée au point où il n'y a pas une seconde qui passe sans que le nom de notre prophète alayhi salatu wassalam soit mentionné. Est-ce que vous avez compris ça? Il n'y a pas une seconde qui passe sans que le nom du prophète alayhi salatu wassalam soit prononcé quelque part sur terre. Comme vous le savez, chaque minute dans le monde, il y a l'adhan. Oui ou non? Et dans l'adhan, on dit quoi? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est le nom le plus évoqué sur terre. Le nom du prophète alayhi salatu wassalam est celui qui est le plus prononcé au monde. Il n'y a pas un nom qu'on prononce autant. Mes frères et sœurs, l'appel à la prière n'est valable que si le nom du prophète alayhi salatu wassalam est mentionné. La prière n'est valable que si le nom du prophète alayhi salatu wassalam est mentionné de tashahud. Tu veux te reconvertir à l'islam? Alaykoum salam. Un non-musulman veut se reconvertir à l'islam, c'est pas accepté s'il ne cite pas le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Son nom est associé à celui d'Allah. Dans quoi? Ash-shahada. Dans l'attestation de foi. Cela montre son mérite. Le comportement qu'il dégageait était incroyable. Et parmi les comportements qu'il dégageait le plus, il y avait khuluq ar-rahma. Le comportement de la miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala informa que le prophète alayhi salatu wassalam était une miséricorde pour toute l'humanité. Lorsqu'il a dit dans sourate Al-Anbiya, sourate 21, verset 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Notre prophète a été une miséricorde pour les musulmans, les non-musulmans,
Il a été une miséricorde pour les animaux, les oiseaux, les poissons, les arbres. Il a été une miséricorde pour tout le monde. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et Allah Ta'ala a dit dans Sourate At-Tawbah, Sourate 9, verset 128, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. Il s'attriste quand il voit les croyants tristes. Il n'est pas bien, alayhi salatu wasalam, quand il voit les croyants tristes, qui est plein de sollicitude pour vous. Ça veut dire qu'il veut pour nous notre bien, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 159, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. Et selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, ceux qui sont miséricordieux, ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ceux qui sont miséricordieux, Allah sera miséricordieux envers eux. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera miséricordieux envers vous. C'est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Il était le plus miséricordieux, alayhi salatu wassalam, des gens envers les enfants. Comment est-ce qu'il était avec les enfants? Wallah, il était très 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 miséricordieux avec les enfants. Écoutez avec moi ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Qatada radiallahu anhu. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, je me lève pour la prière, pour donc faire l'imam, salat al-jama'a, la prière en groupe, avec le désir d'y prolonger la lecture. Et il a envie, alayhi salatu wassalam, quand il commence la prière, de prier longtemps. J'entends alors un enfant qui pleure. Dès qu'il entend un bébé qui pleure, qui est avec sa maman, avec les femmes qui font la prière, j'allège ma prière par pitié pour sa mère. Allahu Akbar. Vous avez vu comment il était, alayhi salatu wassalam? Il entend juste les pleurs d'un bébé. C'est-à-dire qu'il avait l'intention de faire une prière longue, mais non, là, ça y est, changement de programme. Pourquoi? Par pitié pour la mère. Il était miséricordieux. Avec qui? Avec les enfants. Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam embrassa une fois son petit-fils Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma. Al-Aqra ibn Habis lui dit, j'ai 10 enfants et j'en ai jamais embrassé aucun. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam embrasser un enfant. Il a dit, moi j'ai 10 enfants, j'en ai jamais embrassé aucun. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wassalam? Un Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde, rapportée par Bukhari Muslim. Celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde. On voit ici quoi? Que Nabi alayhi salatu wassalam, il aimait les enfants, il embrassait les enfants, il était le plus miséricordieux des gens envers les enfants. Il lui arrivait de porter au même la fille de Zainab, sa fille, pendant qu'il dirigeait la prière. T'arrives à imaginer? Ça veut dire qu'il va rentrer dans la prière et il a au même la fille de Zainab, sa fille. Et pour pas qu'elle pleure, il la porte dans la prière. Dans la prière, il la porte. Il s'incline, elle est toujours avec lui. Il se prosterne, il la pose par terre. Et quand il se relève, il la reprend pour se lever avec. T'as vu la miséricorde? Dans la salat, il porte un bébé. T'imagines? Anas ibn Malik, il avait un petit frère. Anas ibn Malik, il avait un frère que Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait prendre de ses nouvelles, qui s'appelait Abu Umayr. Et il avait un oiseau qui s'appelait Nourayr. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il disait, oh Abu Umayr, comment va Nourayr? Comment il va ton oiseau? Il a le temps de prendre des nouvelles des enfants. Il lui arrivait de passer dans des endroits où il y avait des enfants, il les saluait. Assalamu alaikum. C'est pas comme nous aujourd'hui, on voit les enfants, on veut ni qu'ils viennent à la mosquée. Quand ils viennent à la mosquée, hach, scout, khruj. C'est vrai ou pas? Hein? Il n'était pas comme ça, alayhi salatu wassalam. Au contraire, il les attirait, il les rapprochait. Hein? Et il les aimait, alayhi salatu wassalam. Ça, c'était son comportement, alayhi salatu wassalam, avec les enfants. Il est même rapporté qu'une fois, une petite fille a pris sa main et elle l'a prise avec lui et lui ne lui a pas posé la question « Où est-ce que tu m'emmènes ?» Il a continué le chemin et elle arrivait à un certain endroit, elle l'a laissé, elle est partie. Il ne lui a rien dit.
Pourtant, c'est le prophète, c'est l'imam, c'est le gouverneur, c'est le responsable, c'est lui qui répond aux musulmans, c'est lui qui a le poids de la Oumma sur les épaules. Il aurait pu lui dire, hey, tu m'emmènes où? J'ai pas le temps. Va là-bas, va jouer avec les petits. Non. Il donnait à chaque personne son droit. Alayhi salatu wassalam. Mais la question, est-ce que là, ce petit échantillon qu'on vient de donner, les musulmans le connaissaient? Tu vois, beaucoup de musulmans, ils connaissent rien de tout ça. Alaykoum salam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc le plus miséricordieux des gens avec les enfants. Et son comportement avec les femmes était extraordinaire. Avec les femmes. Al-Aswad demanda à Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, comment se comportait le prophète, alayhi salatu wassalam, au sein de sa famille. Les hommes, ouvrez bien vos oreilles, branchez les antennes. Comment est-ce que se comportait le prophète, alayhi salatu wassalam, au sein de sa famille? Elle répondit, il m'aidait dans les tâches ménagères. Il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir, rapporté par le Bukhari. Il ne fatiguait pas sa femme. Il ne fatiguait pas sa femme, alayhi salatu wassalam. Il l'aidait. Et selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Et c'est rapporté par le Hakim. Et avant sa mort, dans Hajjat al-Wada', il a aussi fait une wasiyya, bin nisa, n'est-ce pas? Il a recommandé les gens d'être bienfaisants envers les femmes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, était donc miséricordieux avec les enfants, avec les femmes. Il est aussi le plus miséricordieux des gens envers les gens. Lorsqu'il arrivait à Taif, pour appeler les gens à l'islam, quand il a vu qu'à la Mecque, son message était refusé, et qu'il a cherché donc à faire une nouvelle da'wah, plutôt il a voulu faire da'wah à Taif, son message a été refusé. Et non seulement ils ont refusé son message, mais ils ont envoyé des pierres sur lui, alayhi salatu wassalam. Il a été blessé et chassé de la ville, violemment. Et il est sorti en saignant. Et là, Jibril, alayhi salam, se présente à lui avec l'ange des montagnes, Malakul Jibel. Et l'ange des montagnes, il lui dit, ô messager d'Allah, donne-moi l'autorisation de les engloutir entre les deux montagnes qui séparent Taif, de te venger. Je les engloutis, on les écrase entre les deux montagnes. Le prophète, alayhi salam, il a refusé. Pourtant, on lui a acheté des pierres, il a dit, j'ai espoir que dans leur descendance, il y en aura qui adoreront Allah sans rien lui associer. C'est comme ça qu'il était. Est-ce que c'était un sanguinaire qui aimait faire couler le sang? Non, il ne s'est pas vengé. À Uhud, on lui a acheté des pierres, on lui a cassé la dent. Il n'arrivait plus à marcher, on l'a porté sur le dos. Il n'arrivait plus, alayhi salatu wassalam, à tenir tellement la guerre, elle était difficile pour les musulmans. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'est tourné vers son Seigneur, il a levé les mains, il a dit « Allahumma khfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. » Oh Allah, pardonne à mon peuple, ils sont ignorants, ils ne savent pas. Mais il lève les mains, il dit « Ya Allah, anéantis-les, tu crois Allah, il ne va pas lui exaucer son invocation ?» Bien sûr qu'il va. Mais ce n'était pas ça. Un Nabi alayhi salam, il avait toujours le côté de la miséricorde qui prenait le devant. Et il faisait des doigts, alayhi salatu wassalam. Un jour, regardez un petit peu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a su qu'un jeune juif était en train de mourir. Est-ce qu'il a dit « Oh, un juif, il va mourir. » Allez, la terre sera débarrassée au moins d'un parmi les juifs. Allez, et hop, un de moins. Allez, de toute façon, qu'ils aillent tous mourir. Des juifs. Il a dit ça, alayhi salatu wassalam. Écoute, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a su ça. Il est parti lui rendre visite. Alors que ce jeune, il était en train de mourir. Et quand il lui a rendu visite, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui dit, « Qul la ilaha illallah. » Dis la ilaha illallah. Le jeune, il ne savait pas quoi faire. Alors, il a regardé son père. L'air de dire, je fais quoi? Son père lui a dit, Ati' Abu al-Qasim. Obéis à Abu al-Qasim. Subhanallah. Il sait au fond de lui que c'est la vérité. Mais lui-même, il n'a pas dit la ilaha illallah. Il a dit à son fils, Ati' Abu al-Qasim. Le petit, il a dit la ilaha illallah, puis il est mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il est sorti, il a dit, Alhamdulillah, Allah, il m'a permis de sauver une âme de l'enfer. Il avait ce souci de faire la da'wah. Nous, on a des voisins qui sont juifs, chrétiens, athées, bouddhistes. Est-ce qu'on leur montre le bon comportement? Est-ce qu'on prend de leurs nouvelles? Est-ce que quand ils sont malades,
on cherche à les aider? Est-ce que quand ils portent des courses lourdes où il n'y a pas quelque chose d'illicite, on essaye de les aider? Est-ce qu'on leur amène de temps en temps des petits gâteaux, un petit repas, on leur offre quelque chose? Il y a plein de manières de leur faire da'wah. Est-ce que déjà, je ne porte pas atteinte aux voisins par le bruit, etc. Même tard le soir, si tu veux écouter un dars ou le Coran et que ça va déranger le voisin, c'est pas bon. C'est pas bon, tu dois respecter le voisinage. Faire super attention à ça. Le prophète, alayhi salatu wasalam, il est aussi le plus miséricordieux des gens vers les animaux. Les textes sont très nombreux. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a enseigné que, ça c'est dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim, cependant qu'un chien tournait autour d'un puits mourant de soif. Il y avait un chien, il était en train de tourner autour d'un puits, bi'r, et il mourait de soif. Et voilà que la vie, une femme prostituée. Prostituée, une prostituée des enfants d'Israël. Elle a enlevé sa chaussure. Écoutez bien, c'est une femme prostituée. Elle a enlevé sa chaussure, elle l'a remplie d'eau du puits, puis elle a donné à boire au chien. Le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, cela lui a valu l'absolution de ses péchés. Ses péchés, ils ont été pardonnés. Ça, c'est l'ihsan ma'al haywan fama balukum bil ihsan ma'al bashar. Ça, c'est la bienfaisance envers qui? Les animaux. Imaginez-vous la bienfaisance envers les humains. Et selon Ibn Omar, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé une chatte jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à manger ni à boire et sans la laisser se nourrir des petites bêtes qui se trouvent sur terre, rapportées par le Bukhari. Il nous a enseigné que le bon comportement envers l'animal peut te faire entrer au paradis et que le mauvais comportement envers l'animal peut te faire entrer en enfer. De plus, le prophète alayhi salatu wasalam, a ordonné de bien traiter les animaux pendant le sacrifice. Nous, quand on mange une bête, cette bête elle est sacrifiée au nom d'Allah, n'est-ce pas ? Tuzbah bi tariqatin mu'ayyana, tariqa shar'iyya. Avant de sacrifier une bête, il faut que la bête elle ait été sacrifiée au nom d'Allah tabaraka ta'ala. D'accord ? Donc ça c'est hyper important et que celui qui sacrifie soit un musulman. Tayyib. Quand je vais sacrifier cette bête, comment je vais la sacrifier ? Ben, certains c'est électronarcose, ils vont électrocuter la bête jusqu'à elle meure. D'autres c'est, je sais pas, coup de fusil ou quelque chose comme ça et après elle meurt. Comment ça se passe ? Comment une bête est sacrifiée en islam? Eh bien, le prophète alayhi salatu wasalam nous a expliqué que ça se faisait par le fait d'aiguiser le couteau, n'est-ce pas? De ne pas montrer le couteau à la bête et de faire ça le plus rapidement possible pour pas que la bête souffre. Un Nabi alayhi salatu wasalam, il a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, Inna Allah katab al-ihsan ala kulli shay. Allah a prescrit d'appliquer, de s'appliquer en toute chose. Allah a prescrit de s'appliquer en toute chose. Et regarde, lorsque vous sacrifiez, donc vous égorgez une bête, faites-le de la meilleure façon que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qu'il égorge. Et subhanallah, une fois, Nabi alayhi salam, il a vu un homme traîner sa bête et il avait le couteau dans sa main. Le prophète alayhi salam, il lui a dit, tu veux tuer la bête deux fois? Une fois de peur et une fois en l'égorgeant? T'as pas le droit de lui montrer le couteau et t'as pas le droit de l'égorger devant une autre bête pour pas lui faire peur. Et tu dois bien la nourrir avant, bien t'occuper de cette bête. Regardez la rahma, subhanallah, de l'islam avec l'animal. Et quand tu l'égorges, il faut que le couteau il soit très bien aiguisé pour pas que la bête elle souffre. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un Nabi alayhi salatu wasalam était miséricordieux envers les personnes âgées. Et là, c'est un message que j'adresse à moi-même ainsi qu'à tous les jeunes de la mosquée et ceux qui nous écouteront à travers l'enregistrement. Comment est-ce que vous vous comportez avec les personnes âgées de notre communauté? Est-ce que vous avez de la rahma avec les personnes âgées à la mosquée par exemple? Est-ce qu'il y a le clan des personnes âgées et le clan des jeunes et chacun il a fait son groupe et non eux ils n'ont rien compris, chez Bani Hado, laisse tomber mon frère. Ahna, mashallah, on a étudié l'ilm. Vous avez étudié quoi? Si tu as du ilm, la première chose que tu dois voir c'est un bon comportement. Et si tu te comportes mal avec les personnes âgées, c'est que tu n'as pas compris ton ilm. Tu n'as pas compris. Un Nabi alayhi salatu wasalam, il dit dans le hadith de Ubad ibn Samit, radiallahu anhu, ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous. Allahu Akbar. Ne fait pas partie de notre communauté celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous. Le hadith, il est rapporté par Ahmad et d'autres.
Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça? Tu rentres dans la mosquée, tu as vu quelqu'un de plus âgé que toi qui ne prie pas comme toi, qui lâche les bras et toi tu lâches pas les bras. Tu vas lui faire la guerre? Il fait l'Aven, il a beaucoup de problèmes dans l'Aven ou dans la Qira'at, dans la Salat. C'est pas comme ça, akhi. Si tu n'as pas d'adab, de ilm pour aller lui parler bi-hikma, c'est pas la peine. C'est pas la peine. D'accord? Mais tu viens, tu fais la guerre avec les personnes âgées, tu n'as rien compris. Et nos parents, quand ils vieillissent, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Hein? Oh, tu comprends plus rien, oh, tu m'énerves, t'entends jamais rien. Je suis toujours là à répéter les choses 10 fois. Rappelle-toi quand tu avais 3-4 ans et que tu entendais ton petit enfant te dire « Papa, on va aller où ?»« On va au parc, d'accord. »« Papa, on va où ?» Au parc, d'accord. Papa, on va où? Au parc. L'enfant, il te posait la question 600 fois et tu lui répondais. Et tu n'avais pas de problème. Nos parents, ils ont été comme ça avec nous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et ils étaient patients. Et ils répondaient avec plaisir. Et toi, dès qu'ils grandissent, tu les supportes plus. Nous, chez nous, en islam, ça n'existe pas. Les parents, ils vont dans une maison de repos. Ça, c'est la chouma, ça. C'est pas chez nous, ça. Nous, nos parents, ils grandissent. On les porte sur nos épaules s'il le faut. On s'occupe d'eux jusqu'à la dernière seconde de leur vie. Et quand ils meurent, c'est pas terminé. Ad-du'a lahum. N'est-ce pas? On fait des du'a pour eux. Des sadaqa jariya. Des aumônes continues pour eux. Que ce soit un puits ou des sadaqat ou autre. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma kana rifqu fi shay illa zana » Quand la douceur elle est dans une chose, eh ben la douceur ne peut que l'embellir. Et quand elle est enlevée d'une chose, quand la douceur elle est enlevée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir, la rendre laide. Donc fais toujours avancer la douceur. Et Aïcha radhiyallahu anha, elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est doux et il aime la douceur en toute chose, rapportée par Bukhari et Muslim. Le prophète alayhi wa sallam, il était doux avec les ignorants qui faisaient des péchés. Aujourd'hui, toi, tu vois un jeune, il vient dans la mosquée, il te dit ah, « Frère, t'as vu, moi en ce moment, je fume du shit, je sors encore avec des meufs, t'as vu, ça m'intéresse pas de faire la prière. » Comment tu vas réagir? Tu vas lui crier dessus? Tu vas lui dire « C'est haram, on est d'accord dessus. » Et tu vas lui parler d'une manière très sévère, au point où il va plus venir à la mosquée? Comment est-ce que tu vas faire? Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit « Inna minkum la munafirin » Il y en a parmi vous qui font fuir. Il y en a qui font fuir de notre communauté. Donc, il faut faire très attention. Il y a un homme qui est venu voir le prophète, alayhi salam, dans la mosquée, il lui a dit « Evan li bizzina » Autorise-moi à faire la fornication. Imagine-toi, il dit au prophète, alayhi salam, « Autorise-moi à faire la fornication. » Il lui a dit « Est-ce que tu accepterais qu'on fasse ça à ta mère? Est-ce que tu accepterais qu'on fasse ça à ta sœur? À ta tante ?» Il a commencé à parler tranquillement. Après, quand il lui a dit non, 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 il lui a dit, la fille avec qui tu vas faire ça, c'est forcément la mère de quelqu'un, ou la sœur de quelqu'un, ou la tante de quelqu'un, etc. Si tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Tu vois? C'était comme ça qu'il parlait, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec sagesse. Il était donc le plus doux. Un bédouin, il est venu dans la mosquée, il a uriné. Allez, ça se passe aujourd'hui ici, dans cette mosquée. Comment ça se passe? Un homme, il rentre, il se met au fond, et il fait pipi au fond. Comment ça va se passer pour lui? Hein? Ça sera le lustre de la mosquée. On va l'accrocher au plafond. C'est vrai ou pas? Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des compagnons se lever pour aller le blâmer. Il leur a dit, laissez-le terminer. Laissez-le. Et après, il lui a enseigné, les mosquées, c'est pas fait pour ça. C'est pour dhikrullah azza wa jal, c'est pour évoquer Allah, la prière, etc., etc. L'homme, dans une parmi les versions, il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde à Mohammed et à personne d'autre. Tellement il était content. Tellement il était content, il a demandé la miséricorde pour lui et pour le prophète sallam et personne, parce que les autres, ils voulaient... Le prophète alayhi sallam était quelqu'un de très généreux. Jabir radhiyallahu anhu, il rapporte, il ne lui est jamais arrivé de dire non. Il ne lui est jamais arrivé de dire non à quelqu'un. Jamais. Tant qu'il était dans la capacité de donner, il donnait alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Sahl ibn Sa'd, écoute avec moi ce hadith qui est magnifique. Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte
que le prophète alayhi salatu wasalam prenait plus à cœur les problèmes de son entourage que ses propres problèmes. Aussi raconte-t-il, une femme apporta au prophète alayhi salatu wasalam une bourde, un manteau. Savez-vous, dit-il, ce que c'est qu'une bourde? Oui, ils ont répondu. Voilà comme ça. Oui, lui répondit-on, c'est une pièce d'étoffe avec une bordure tissée. S'adressant alors au prophète, la femme dit, ô envoyé d'Allah, j'ai tissé cette bourde de mes mains pour qu'elle te serve de vêtement. Elle lui a cousu un manteau et elle lui en a fait un cadeau. Le prophète prit ce manteau parce qu'il en avait besoin. D'accord ? Il l'a pris, il l'a accepté. Il vint alors nous trouver enveloppé de cette bourde. Il est venu avec ce nouveau manteau, alayhi salatu wasalam. Un des hommes qui se trouvait là dit, ô envoyé d'Allah, donne-moi ce vêtement. Il vient de le recevoir en cadeau. Et là, l'homme, il lui dit, donne-moi ce vêtement. Le prophète, alayhi salatu wasalam, accepta, il est parti retirer le manteau. Il l'a plié et il lui a donné. Et écoute bien, quand il a donné ce manteau, les gens lui ont dit, ce n'est pas bien ce que tu as fait là. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu as demandé ce vêtement, sachant parfaitement que le prophète alayhi salatu wasalam ne refuse jamais rien à personne. Et l'homme s'écria, il a dit, par Allah, je ne lui ai demandé ce vêtement que pour qu'il me serve de linceul le jour de ma mort. En effet, ajoute Sahel, ce manteau lui servit de linceul et le hadith il est rapporté par le Bukhari. Bon, quand on l'écoute comme ça, on dit, mashallah, c'est beau. On l'a refait, mais dans notre contexte, t'achètes un manteau, tabarakallah, bien beau gosse, cher. D'accord? Un truc classe. Alors, les marques, à toi d'imaginer ce que tu achètes d'habitude. Hein. Donc, il y en a, c'est Célio, c'est A. D'autres, ils vont aller un peu plus haut, chez Hugo Boss et compagnie. Tu l'as acheté, il est tout neuf. Et quelqu'un dit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Tu me le donnes? Tiens. Hop. C'est difficile de faire un truc comme ça. Ça va ou pas? Mais le prophète, alayhi salatu wasalam, il était extrêmement généreux. Il était généreux d'une manière indescriptible. Anas radiallahu anhu, il rapporte, et écoute avec moi ce hadith, il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au prophète, alayhi salatu wasalam, comme prix de son entrée en islam, et qu'il ne l'ait pas donné. Une fois, quelqu'un vint à lui et il lui donna un troupeau de bêtes remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit, il n'était pas encore musulman, il a dit, ô mon peuple, entrez en islam, car ce Muhammad donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Il donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Et c'est rapporté par l'imam muslim. Il était le généreux, l'altruiste, celui qui avait ce khulq de ithar, celui qui préférait donner que prendre. Le plus important pour lui était que les gens mangent, quitte à ce que lui se prive de manger. Le plus important pour lui était que les gens boivent, quitte à ce que lui se prive de boire. Il était le plus ascète des gens. Il avait divorcé avec ce bas monde. Une fois, il y a une femme parmi les Ansar qui a offert un lit à Aïcha, la femme du prophète. Un lit, parce qu'elle avait pitié de la condition du prophète. Puis le prophète, il rentre chez lui, il voit un lit, alors qu'il a l'habitude de dormir sur un tapis de paille. Il a dit à Aïcha, rends-le. Et elle l'a rendu. Et il a dit à sa femme, ô Aïcha, si je veux, je peux demander à Allah de m'accorder des montagnes en or et en argent. Mais c'était pas pour lui, ce n'était pas important la dunya. Pour lui, la dunya, ce bas monde, n'était pas important. Imaginez-vous que notre prophète, alayhi salatu wasalam, ne mangeait, mais absolument pas la quantité de viande que nous on mangeait. Et ce qu'il mangeait le plus, c'était des dattes et de l'eau. Et quand c'était du pain, c'était pas du pain de bonne qualité. Omar radiallahu anhu, une fois il est rentré chez lui, et il a vu sa maison, elle était vraiment très modeste. Il n'y a pas grand chose, une petite pièce, et le tapis de paille, il avait fait des traces sur le côté du prophète alayhi salatu wasalam. Il a vu tout ça, il a pleuré. Omar radiallahu anhu, il a pleuré. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, ô Omar, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures, Ibn al-Khattab? Et là, il lui a dit, et comment ne pas pleurer en voyant les traces qu'a laissé la natte sur ton flanc et ce belvédère qui ne contient presque rien?
Comment ne pas pleurer en comparant ta situation, toi l'envoyé d'Allah et son élite, dans ta petite chambre à celle de César ou Khosroès, qui jouissent des fruits et des ruisseaux? Eux, ils vivent dans le luxe, les rois de ton époque. Et toi, tu es le meilleur des hommes. Regarde ta situation. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, « Ô Ibn al-Khattab, n'acceptes-tu pas que nous ayons, nous, la vie future et eux, la vie de ce bas monde ?» Cette vie-là, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et le hadith, il est rapporté par l'imam muslim. Et d'après Abu Saïd al-Maqburi, Abu Huraira radiallahu anhu passa une fois devant des gens qui avaient devant eux un agneau rôti. Ils l'invitèrent à en manger avec eux, mais il refusa en disant, le messager d'Allah, alayhi salatu wasalam, a quitté ce monde sans avoir jamais mangé à satiété du pain d'orge. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu rapporte, j'ai bien vu notre prophète, alayhi salatu wasalam, ne disposant même pas de date de mauvaise qualité pour remplir son ventre. Même des dates de mauvaise qualité pour remplir son ventre, il avait parlé, sallallahu alayhi wa sallam. Et selon Urwa, Aïcha radiallahu anha lui a dit, elle lui a dit par Allah, au fils de ma sœur, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, jusqu'à trois nouvelles lunes en deux mois, sans qu'on ait allumé un feu. Un feu pour faire quoi? Pour faire à manger. T'imagines, deux mois, on ne fait pas à manger, hein, en faisant chauffer ou cuire quelque chose. Deux mois sans repas chaud. Attention, il était dans la capacité de manger de bons plats. Il avait un cinquième du butin de guerre. Mais il préférait nourrir les pauvres, même s'il fallait qu'il se prive de tout et qu'il ait faim. Wa alaykoum salam. Avant de mourir, il demanda à Aïcha, y a-t-il quelque chose à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il lui parle de bien. Elle lui dit 7 dinars. 7 dinars. Il gouvernait toute la péninsule arabique. C'est le gouverneur, et il a chez lui quoi? 7 dinars. Pas 7 millions de dinars, 7 dinars. Puis il demanda à Aïcha d'en faire aumône, en disant, comment veux-tu que je rencontre mon Seigneur alors qu'il y a chez moi 7 dinars? Allahu Akbar. C'est incroyable, Wallahi. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort en ayant en gage sa côte de maille chez un juif? Il était endetté, hein, auprès d'un juif. Notre prophète alayhi salatu wasalam était ascète, pieux, honnête. Il ne mangeait pas l'argent du peuple, bien au contraire, il était au service du peuple. Il était honnête alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Quand Nabi alayhi salatu wasalam, il a voulu quitter Mecca pour aller à Médine, al-Hijra, pour faire l'émigration. Il a laissé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu à Mecca. Pourquoi? Parmi les raisons, c'est pour qu'il rende les amanettes qui lui avaient été confiées par Quraysh à l'époque. Pour pas qu'il parte avec. Pour qu'il rende les dépôts qui lui avaient été confiés. Il était véridique, alayhi salatu wasalam. Aïcha radiallahu anha a dit, il n'y avait pas un comportement que le prophète, alayhi salatu wasalam, détestait plus que le mensonge. Le prophète, alayhi salatu wasalam, nous a même interdit de mentir pour faire rire. D'après Abu Umama, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, je garantis une maison à la périphérie du paradis à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. Tu délaisses la polémique, un débat, même si tu as raison, tu as une maison au paradis. Et écoute la suite. Une maison au milieu du paradis à celui qui délaisse le mensonge, même s'il plaisante. Même s'il plaisante. Alaykoum salam. Et c'est rapporté par Abu Dawud. Il ne t'est pas permis en islam de mentir. Notre religion nous ordonne d'être véridique, de toujours dire la vérité. Le prophète alayhi salatu wasalam, était le plus fidèle des gens. Aïcha radiallahu anha a dit, je n'ai jamais été aussi jalouse d'une femme comme je l'ai été de Khadija. Khadija radiallahu anha. Le prophète alayhi salatu wasalam, mentionna un jour Khadija, je me mis à la critiquer. C'était une vieille, etc., etc. Et attention, Aïcha radiallahu anha, elle critique Khadija alors qu'elle était déjà morte, mais parce que le prophète alayhi salatu wasalam, parlait souvent d'elle. Et là, le prophète alayhi salatu wasalam, a dit, Allah ne m'a pas donné à la place meilleure qu'elle. Elle a cru en moi lorsque les gens m'ont renié. Regarde la fidélité. Elle m'a cru lorsque les gens m'ont privé, m'ont pris pour un menteur. Elle m'a cru lorsque les gens m'ont pris pour un menteur. Elle m'a fait participer à sa fortune alors que les gens m'en ont privé. Elle m'a donné un fils, des enfants, hein, alors que les autres ne l'ont pas fait. Il était fidèle, alayhi salatu wasalam. Et quand on lui envoyait un cadeau, il disait, faites-le parvenir à cette femme car elle était une amie de Khadija.
C'est impressionnant, wallah. Il était le plus juste des gens. Il était très très juste, alayhi salatu wassalam. Avant qu'il meure, il a dit aux gens, quiconque d'entre vous a été victime d'une injustice de ma part, qu'il vienne prendre son droit, je suis là. Sawad ibn Khuzayya lui dit, moi j'ai été victime d'une injustice de ta part. Il lui dit, un jour dans telle bataille, tu étais en train d'aligner les rangs, et avec ton bâton, tu m'as poussé en le mettant sur mon ventre. Il a poussé ce compagnon, Nabi Hassam, en le mettant sur son ventre, en me disant, aligne-toi bien, ô Sawad. Et tu m'as fait mal. Je veux qu'on applique la loi du talion tout de suite. Oh, Allahu Akbar. C'est un homme qui dit ça au prophète, alayhi salatu wasalam. Le prophète, alayhi salatu wasalam, lui a dit, très bien, fais ce que tu as à faire. Et pendant ce temps-là, les compagnons étaient sous choc. Oh, quelqu'un qui ose dire ça au prophète, alayhi salatu wasalam. Comment est-ce qu'il peut oser dire cela au prophète, alayhi salatu wasalam? Puis lorsque le prophète, alayhi salatu wasalam, Lorsqu'il se rapprocha du prophète, alayhi salatu wasalam, donc Sawad, quand il s'est rapproché du prophète, alayhi salatu wasalam, il le prit dans ses bras et l'embrassa et il a dit, je voulais que ton corps touche le mien. C'est tout ce qu'il voulait en fait. Un Nabi, alayhi salatu wasalam, était très modeste. Il était modeste, il n'a jamais fait preuve d'orgueil. Dans un de ses voyages, il était avec ses compagnons. Puis l'un d'eux dit, moi je vais égorger un mouton. Le deuxième, il a dit, moi, je vais lui enlever la peau. Le troisième a dit, moi, je vais faire cuire la bête. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, quant à moi, je vais vous réunir le bois pour allumer le feu. Et c'est la chose la plus dure. Réunir le bois pour allumer le feu, c'est le plus dur. Le Nabi al-Sam, il n'a pas dit, je suis le Rasoul, donc je fais rien. Le chef, je m'assois, ils font tout. Non, il était avec eux, tawadwa. Il travaillait avec eux, alayhi salatu wasalam. Il ne faisait pas sentir aux gens qu'il était supérieur à eux. Il n'avait pas un habit qui le distinguait des autres. Il s'habillait moins bien que certains. Et il était très modeste, alayhi salatu wasalam. Il refusait qu'on se lève pour lui. Et leur disait, ne vous levez pas pour moi. Ne fais pas avec moi comme on fait au roi. Omar al-Farouq, radiyallahu anhu, nous rapporta que le prophète, alayhi salatu wasalam, a dit, n'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Mariam, car je ne suis qu'un serviteur. Désignez-moi donc comme le serviteur d'Allah et comme étant son messager apporté par le Bukhari. Le prophète alayhi salatu wasalam nous enseignait que celui qui fait preuve de modestie, Allah l'élèvera. Man tawadha lillah rafa'a. Et Allah tabaraka ta'ala a dit dans sourate al-Furqan, sourate 25, verset 62, wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ils sont humbles. Qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Et notre prophète, alayhi salatu wasalam, nous a enseigné que celui qui possède dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Un Nabi, alayhi salatu wasalam, il était très sensible au Coran. Il aimait beaucoup Al-Qur'an. Et il était sensible. Il lui arrivait, alayhi salatu wasalam, de lire le verset et le répéter plusieurs fois. Un verset qui parle du paradis ou de l'enfer, il le lisait et il pleurait, alayhi salatu wasalam. Et il disait, si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleurez beaucoup. Abdullah ibn Shikhir, radiallahu anhu, rapporte, je vins trouver le prophète, alayhi salatu wasalam, alors qu'il était en prière. Il pleurait et sa poitrine laissait entendre le bruit d'une marmite en ébullition. Et ça, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres. Son courage, il était très courageux. Ali radiallahu anhu a dit, il fallait le voir le jour de la bataille de Badr. Nous avions tous trouvé refuge sous la protection du prophète sallam. De nous tous, il était le plus proche de l'ennemi. Il était le plus fort d'entre nous ce jour-là et c'est rapporté par l'imam Ahmed. Dans la bataille de Hunayn, le prophète sallam, il était devant, les compagnons se replièrent derrière lui. Et l'ennemi avançait vers le prophète sallam. Et le prophète sallam, il disait, « Anan nabiyu la kadhib anabn abd al-Muttalib. » Il disait, « Je suis le prophète en vérité. Je suis le fils d'Abd al-Muttalib. » Il était sur le front, le premier face à l'ennemi. Et les compagnons, ils étaient derrière, ils avaient peur. Radiallahu anhum. Il s'était replié derrière lui. Il ne cessa de se battre et appelait les croyants, « Vers moi, serviteur d'Allah, vers moi.
Ses compagnons reprirent le combat et l'ennemi connut une défaite immédiate. Dans les guerres et les batailles, les chefs se font discrets pour ne pas se faire tuer. Ce qui montre que le prophète sallam était très courageux. Et il était devant. Un Nabi sallam, dans la bataille de Badr, dans la bataille de Badr, il avait 55 ans. Dans la bataille de Uhud, il avait 56 ans. La bataille de Khandaq, il avait 58 ans. Tabouk, il avait 62 ans. Et entre Médine et Tabouk, la distance était environ de 1000 km à 62 ans. Il fait tous ses efforts, subhanallah. Et avec toutes ses expéditions et batailles, il lisait le Coran, priait la nuit, s'occupait des femmes, des enfants, des compagnons. Il était recherché le jour de sa hijra, mais il était courageux. Dans la grotte de Thawr, il était caché avec Abu Bakr. Et Abu Bakr lui a dit, s'ils penchent juste leur tête, ils vont nous voir. Il lui a dit, « Ma balu kabithnayn, Allahu thalithuhuma. » Que penses-tu de deux dont Allah est leur troisième ?« Fani athnayn, idhuma fil ghar, idhiaqulu li sahibihi, la tahzan, inna Allah ma'ana. » C'est cité dans le Coran. Il disait à son compagnon, « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. » Sa pudeur. Il était pudique, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il voyait quelque chose qu'il n'aimait pas, cela se voyait sur son visage. Quand il voulait conseiller quelqu'un, il faisait tout pour ne pas l'humilier, ne pas lui faire honte. Quand il voulait conseiller, il disait, il y a des gens qui font ceci et cela. Il disait ça en public. La personne concernée savait que c'était d'elle qu'il s'agissait, mais il ne la pointait pas du doigt en disant, toi, tu as fait ça. Il avait de la pudeur, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il mangeait un repas qu'il ne trouvait pas bon, il ne le critiquait jamais. Il ne critiquait pas. Quand c'était bon, il pouvait en faire part. Mais quand il n'était pas bon, il ne disait pas, c'est pas bon ça. Il était poli, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, disait, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avait plus de pudeur qu'une jeune fille vierge. Subhanallah. Le prophète, alayhi sallam, avait plus de pudeur qu'une jeune fille vierge. Il n'a jamais commis la fornication. Il n'a jamais touché une femme qui ne lui appartenait pas. Un Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'acceptait pas l'aumône. Il était patient. Une montagne de sabr. Il s'est fait insulter, calomnier, frapper. On a tué son oncle Hamza à Uhud. Il a patienté face à la douleur de la faim. Comme Al-Khandaq, il a attaché des pierres dans son ventre. Certains compagnons lui ont dit qu'ils avaient une pierre dans le ventre, Al-Khandaq. Il leur a montré que lui, il en avait deux qui étaient attachés à son ventre tellement il avait faim. Il avait plus faim que, sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu son père, sa mère. Il a patienté, il a patienté. Il était miséricordieux dans tout, même dans la guerre. Il recommandait dans la guerre de ne pas toucher aux femmes, ni aux vieux. Quelqu'un d'isolé, quelqu'un qui est dans un temple en train de faire des adorations, les enfants. Il n'était pas comme ça, alayhi salatu wassalam. Et quand on regarde aujourd'hui, à quoi ressemblent malheureusement les guerres, le nombre de morts. Un Nabi, alayhi salam, lui-même, de sa propre personne, ce qui est rapporté, c'est que de toutes ces batailles, 27 batailles, il n'a tué qu'une personne de sa main. 27. Aujourd'hui, regardez un petit peu le résultat de la bombe atomique, par exemple. Alors, est-ce qu'il était un sanguinaire qui aimait faire couler le sang? Il aimait le bien pour les gens. Il voulait le bien pour les gens. Il nous a appelés à parler bien avec les gens. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 83, « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا » et dites aux gens de bonnes paroles. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ » J'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Mes frères et sœurs, chaque musulman doit être un ambassadeur de l'islam. Nous sommes les élèves de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il s'agit de notre enseignant, alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, parler du prophète, alayhi salatu wassalam, de manière complète ne se fait pas en un dars d'une heure. Il nous faudrait plusieurs vies pour cela, mais la morale, c'est qu'aujourd'hui, tu as écouté quelques informations sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que tu as appris à découvrir des qualités qu'il avait que tu ne connaissais pas. Continue, inshallah, après cette conférence, à apprendre sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Parle de lui auprès de tes proches, les gens de ta famille, père, mère, épouse, frères et sœurs, enfants, et après les voisins, et agrandis le cercle, car c'est le modèle qui a été envoyé pour l'humanité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite d'apprendre sa biographie et surtout de le suivre, de suivre sa sunnah et qu'on puisse le rencontrer yawm al-qiyama
en étant heureux d'avoir pratiqué sa religion. Assallahu tabaraka wa ta'ala an yanfa'ni bi qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik jazakum allahu khair wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا